résultat que Dieu, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à l'éternel, et se renouvellent chaque matin. Amen. Amen. Et nous voulons rendre grâce à Dieu, parce que ce dormir la nuit et se réveiller le matin, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Même si on est des milliards à se réveiller, même si on est des milliards à tenir ce tout debout, mais quand même, il y a les quelques-uns, ceux qui ne sont pas arrivés à se réveiller, ceux qui n'ont pas eu cette grâce-là d'avoir le sou de vie le matin, ou ceux qui ont eu la grâce même d'avoir le sou de vie, mais qui n'ont pas la bonne santé comme toi, comme moi. Il y en a qui ont peut-être même la bonne santé, mais ne connaissent pas le Dieu que toi et moi nous sommes en train d'invoquer. Alléluia. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Tout ça, c'est les bontés de l'Éternel. Tout ça, ce sont les compassions de l'Éternel. Alléluia. Et toi et moi, nous devons élever nos voix pour dire merci au Seigneur, pour être reconnaissant envers ce Dieu. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je veux t'élever et te rendre gloire, toi l'unique et le véritable Dieu. Toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jacob, le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu incomparable, le Dieu incommensurable, celui qui fait des cieux sa demeure et la terre son marchepied, c'est toi, Seigneur. Et moi, je vais t'élever au-dessus de tout. Je vais te rendre gloire, Seigneur. Je vais te dire un grand merci, Jésus. Car si je suis debout ce matin, ce n'est que par ta grâce. Seigneur, si je respire aujourd'hui, ce n'est que par ta grâce. Si je suis dans cette salle en train d'invoquer l'Éternel, ce n'est que par ta grâce, Seigneur. Voilà pourquoi je vais t'élever. Voilà pourquoi je vais t'adorer, Seigneur. Voilà pourquoi je vais t'exprimer, oh Dieu, ma reconnaissance. Voilà pourquoi je vais, oh Dieu, magnifier ton Saint-Nom. Voilà pourquoi Jésus-Christ, mon Seigneur, je vais élever ton nom dans ma vie. Oh Dieu, en guise de reconnaissance, Seigneur Jésus, que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, le Dieu vivant. Que ton nom soit loué, le Très-Haut. Que ton nom soit loué, le Dieu des armées. Que ton nom soit loué, le Très-Haut. Oh Jésus, tu es digne de t'élever, Seigneur. Tu es digne de te glorifier, Seigneur Jésus. Tu es digne de t'élever, oh Dieu. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, le Dieu des armées. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, je me loue ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je magnifie ton nom. Seigneur, j'exalte ton nom, Seigneur. Toi, l'unique et le véritable Dieu. Le Dieu de grâce, Seigneur. Le Dieu de la quarantaine. Le Dieu qui nous fait voir des prodiges et des miracles. Le Dieu qui peut tout. Seigneur, c'est toi l'Éternel. À la quarantaine, nous savons que tu peux tout. À la quarantaine, tu guéris les cancers. À la quarantaine, tu guéris des maladies. Dieu est incurable. À la quarantaine, tu donnes les enfants aux femmes stériles. À la quarantaine, tu guéris des synatiques. À la quarantaine, tu es capable, Éternel Dieu, de tout faire. Il n'y a rien de la part de l'Éternel. Oh Dieu, qui soit impossible. Non, Seigneur, rien n'est impossible à l'Éternel, oh Dieu des armées. Seigneur, rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je vais t'élever, oh Dieu des armées. À la quarantaine, tu es agissant. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu m'as accordé d'être dans la quarantaine. Merci, Jésus, pour cette grâce, oh Dieu, que tu m'as donné d'être ici, oh Dieu, mon roi à tes pieds. Que l'honneur soit pour toi, Seigneur. Honneur et louange à ton nom Jésus. Alléluia, hosanna Seigneur. Il est vivant Seigneur Jésus, il est vivant. Oh, il est vivant, oh Jésus-Christ, il est vivant. Il est puissant, oh Jésus, il est puissant. Oh oui, tu es puissant, Emmanuel. Tu es, oh Jésus, le Dieu puissant, alléluia, Yahweh, alléluia, amen, Jéhovah, alléluia, 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 oh Jésus, le Dieu tout puissant, alléluia, Yahweh. Jésus, le roi des rois.
Jésus le Dieu fidèle. Oh Yahweh, alléluia. Yahweh, alléluia, alléluia. Oh alléluia. Oh Jésus le roi de gloire. Oh Yahweh, alléluia. Amen. Yahweh, alléluia. Oh Jésus, nous t'invoquons, alléluia. Yahweh, nous t'invoquons, amen. Yahweh, alléluia. Amen, alléluia. Oui, Jésus, nous t'invoquons. Le Dieu capable, nous t'invoquons. Le Dieu puissant, nous t'invoquons, alléluia. Oh, alléluia, mais Jésus descend et agit. Oh, Yahweh, descend, agit. Oh, Yahweh, descend, agit. Alléluia, oh, alléluia. Oui, Jésus, manifeste-toi. Le Tout-Puissant descend, agit. Oh, le roi de gloire descend, agit. Nous faisons invoquer le nom de l'Éternel. Donc tu te trouves les mains, lève le nom de Jésus, invoque Jésus, invoque le nom de Tout-Puissant. Dis à Jésus-Christ que tu es venu dans cette quarantaine pour le rencontrer. Dis au Seigneur que tu n'es pas venu en vain. Dis à Jésus que tu n'es pas venu comme un touriste. Dis à Jésus que tu es venu pour le voir à l'œuvre ce matin. Et lève-moi de voix, bien-aimé, criant à l'Éternel. Seigneur, ce matin, je t'invoque car je sais que tu es le Dieu qui peut tout. Ce matin, Seigneur, j'ai laissé le lit, j'ai laissé le confort, j'ai laissé le sommeil, j'ai laissé toutes choses, même la nourriture, pour venir t'invoquer ce matin, car je crois en toi, Seigneur. Je sais que tu es le Dieu capable. Je sais que tu es le Dieu qui peut tout. Je sais que tu es le seul qui est capable de changer mon histoire. Je sais que tu es le seul qui est capable de sauver ma famille. Je sais que tu es le seul qui est capable de guérir ma maladie. Je sais que tu es le seul qui est capable de me délivrer. Oh, Yahweh, voilà pourquoi, Seigneur Jésus, ce matin, je t'invoque, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible. C'est toi, Seigneur, que j'invoque ce matin, le Dieu de possible. C'est toi, Yahweh, que j'invoque ce matin. Je crois, Seigneur, que tu es capable. Je crois, Seigneur, que tu peux tout. Je crois, Seigneur, que tu peux me sauver. Je crois, Seigneur, que tu peux me délivrer. Je crois, Seigneur, que tu peux me guérir. Tu peux changer mon histoire. Oh, Seigneur Jésus, c'est toi que j'invoque ce matin. Le Dieu puissant, le Dieu incommensurable, le Dieu redoutable. C'est toi que j'invoque ce matin. Oh, Seigneur, c'est toi que j'invoque ce matin. Le Dieu terrible, le Dieu qui dit une chose et la chose est accomplie. C'est toi, Seigneur Jésus, ce matin, oh Dieu, mes regards sont tournés vers toi. Ce matin, Seigneur, mes mains sont levées vers toi. Ce matin, oh Dieu, mes regards sont tournés vers toi. Toi, l'Éternel, le Dieu qui fait tout. Toi, l'Éternel, le Dieu puissant. Toi, l'Éternel, le Dieu incommensurable. Toi, l'Éternel, le Dieu capable. Toi, l'Éternel, le Dieu qui est au-dessus de tout. Seigneur, ce matin, je t'invoque, oh Dieu. Yahweh, ce matin, je t'invoque, oh mon Père. Yahweh, ce matin, je t'invoque de tout mon cœur. Yahweh, ce matin, mes regards sont tournés vers toi. Mes regards sont tournés vers toi. Tu es le Dieu capable. 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 Oui, je le sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Quelle que soit ma situation, quel que soit mon combat, quelle que soit ma vie, Seigneur Jésus, moi je sais que tu es capable. Moi je sais que tu es capable. C'est toi que j'invoque, au Éternel. Je t'invoque le Dieu vivant. Je t'invoque le Dieu tout-puissant. Je t'invoque, au Jésus. Je t'invoque, au Jésus, le Dieu des armées, le Dieu qui peut tout. C'est toi, Yahweh, le Dieu qui peut tout. C'est toi, Seigneur, le Dieu qui peut tout. C'est toi, Emmanuel, le Dieu qui peut tout. C'est toi, Jésus, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Au-dessus de la malédiction, au-dessus de la maladie, au-dessus des condamnations, au-dessus des trônes, au-dessus des divinités, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, Seigneur Jésus. Ce matin, je t'invoque, Seigneur. Ce matin, je t'invoque, mon Dieu, mon roi. Ce matin, je t'invoque de tout cœur. Ce matin, je t'invoque, mon Dieu, éternel, mon roi. C'est toi que j'invoque, Seigneur. Ce matin, je t'invoque, oh Dieu. Il n'y a que toi, l'Éternel. Oh Jésus, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Alléluia.
Je n'ai que toi ce matin, Seigneur Jésus. Je n'ai que toi l'Éternel de des armées. Je n'ai que toi le Tout-Puissant. Je n'ai que toi le Dieu des armées. Je n'ai que toi, Seigneur. Le Dieu qui peut tout, Seigneur. Job, oh Dieu mon roi. Oh, il y avait quand il était en train de souffrir. Seigneur, Job, Seigneur. Quand il était dans le tourment. Dans Job, Seigneur. Quand il était en train de souffrir. Il a dit, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne peut s'opposer à ses pensées. Ce matin, je suis venu à la quarantaine. Car je crois que tu peux tout. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es capable. Je crois que tu peux me sauver. Je crois que tu peux me délivrer. Je crois que tu peux tout. Jésus-Christ, mon Seigneur, je crois, Seigneur, en toi. Je crois en toi, Yahweh. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Jésus. Je crois que tu peux tout. Je crois que tu es capable. Seigneur, pourquoi ce matin je t'invoque, Jésus? Voilà pourquoi ce matin je t'invoque, mon Seigneur. Voilà pourquoi ce matin je t'invoque, Adonai. Voilà pourquoi ce matin je t'invoque, Dieu des armées. Oh Jésus, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le prix du trône, le prix du règne. Alléluia. Le prix du trône, le prix du règne. Amen. Bien-aimés, on nous a enseigné. On en a parlé en long et en large. Alléluia. Nous sommes dans le cheminement. Amen. Nous voulons nous repentir. Amen. On nous a parlé de beaucoup de choses. On nous a parlé de ce qui avait été fait et de ce qui avait été dit. Alléluia. On nous a parlé de ce qu'on a sacrifié. Et ce que le trône prend et ce que nos pères, nos ancêtres ont sacrifié. Alléluia. Nous voulons revenir au pied du Maître. Nous voulons revenir au pied de l'Éternel pour nous repentir. Parce que dans toutes ces choses-là, il y a des alliances. Amen. Dans toutes ces choses-là, ce sont les alliances. Alléluia. Et maman a l'habitude de nous dire toujours, une alliance qui n'a pas été brisée, bien-aimé, même si on a oublié, même si on oublie, bien-aimé, ça revient. Donc, il y a, tant que l'alliance subsiste, hein, il y a deux parties qui doivent toujours s'échanger des choses. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons fait la repentance par rapport aux alliances. Parce que ce sont les alliances qui avaient été faites par nos ancêtres, qui avaient été faites par nos pères. Mais c'est toi et moi qui vivons les conséquences. Alléluia. C'est toi et moi qui payons. C'est toi et moi qui sommes là en train d'honorer ce qui avait été dit, qui sommes en train d'honorer ce qui avait été fait. Alléluia. Alléluia. Comme on nous a enseigné dans le livre de Genèse 47, le verset 19 et le verset 25 et le verset 26. Amen. Amen. On nous a dit que les gens qui étaient nés après cette alliance-là, ils sont là sans savoir pour autant qu'ils sont sous l'alliance qui avait été faite, qu'ils sont esclaves de Pharaon. Alléluia. Donc, ils doivent donner les tribus. On nous a dit que c'est une loi qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que ces lois-là sont dans nos vies, ces alliances-là subsistent jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et ce que le trône nous réclame, mes amis, maman a dit qu'on ne choisit pas. Il prend, il vient, seulement il prend. Alléluia. On ne choisit pas ce qu'on donne. Non, il vient, il prend un point bas. Mais, mes amis, si Dieu te donne quelque chose de précieux et que l'alliance vient prendre ça, est-ce que Dieu sera dans la joie? Est-ce que Dieu est honoré? Alléluia. Mes amis, on crie à l'Éternel. Quel que soit l'impact de ces alliances. Quel que soit, si c'est toi et moi qui avons peut-être fait l'alliance, peut-être que ce sont tes parents à toi, ou ce sont des ancêtres que tu n'as pas vus, que tu n'as pas connus, qui ont fait des alliances, qui ont régné, qui étaient assis sur le trône. Et toi et moi, nous sommes en train de vivre la conséquence de ces choses. Amen. Amen. Mais nous allons repentir devant ce Dieu. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi que je sois sauvé. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi que je sois sauvé. Oui. Aie pitié de moi, Seigneur. Je reviens à toi, Yahweh. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi, pardonne-moi que je sois sauvé. Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi que je sois sauvé. Mais levons nos voix, relevons nos voix, crions à l'Éternel. Mais ce sont les choses qui sont source de nos souffrances. Ce sont les choses qui sont source de nos douleurs. Ce sont les choses qui sont source de nos malheurs. Oh Seigneur, me voici devant toi.
Seigneur, aujourd'hui, c'est vrai que je suis en train de vivre la conséquence de ce qui avait été fait, de ce qui avait été dit. Je vis la conséquence, oh Dieu, mon roi, du prix de règne de quelqu'un. Je vis aujourd'hui, oh Dieu, la conséquence du prix de quelqu'un qui avait été élevé sur le trône, Seigneur. Peut-être que moi-même, oh Dieu, mon roi, j'avais été élevé sur le trône, oh éternel. Mais Seigneur, ce matin, je prie à toi. Parce que derrière le trône, Seigneur, parce que derrière le règne, oh Dieu, il y a des pactes, oh Seigneur. Il y a des alliances, oh Dieu, contraires à ta parole, contraires à ta volonté. Ce matin, je crie à toi, Jésus, reconnaître, oh Dieu, que mon roi, que moi je suis coupable, de la même manière que mon père est coupable, de la même manière que mes ancêtres sont coupables. Ce matin, je reviens à toi, éternel. Oh, Yahweh, pitié de moi, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur, mon roi, parce que ce ne sont pas les alliances qui honorent l'éternel. C'est des alliances avec les esprits de rebelles, avec les esprits de la rébellion, avec les esprits de la rébellion, Seigneur, avec les esprits animés d'une grande colère. Aujourd'hui, Seigneur, je vis, oh Dieu, la conséquence de la colère. Aujourd'hui, Jésus, je vis la conséquence de la colère. Seigneur, ce matin, je crie à toi. Ce matin, je crie à toi. Ce matin, je crie à toi. Et pitié de moi, Seigneur Jésus, à cause de ces alliances, oh Dieu, à cause de ces pactes éternels, avec les esprits de la colère, avec les esprits de la rébellion. Seigneur, et pitié de moi. Oh Jésus, et pitié de moi. Me voici devant de toi, Seigneur. Me voici devant de moi. Je pauvre devant de toi, Yahweh. Me voici devant de toi, Seigneur. Me voici, oh Jésus, devant de toi. Me voici devant de toi, l'homme de Galilée. Me voici à tes pieds, Seigneur. Je reconnais que moi, je suis coupable. Je reconnais que moi, mes pères, nous sommes coupables. Je reconnais que moi, mes ancêtres, nous sommes coupables. Je reconnais que moi, oh Dieu, et mes parents, Seigneur. Oh Jésus, nous sommes coupables. Mes grands-parents et moi, nous sommes coupables. Oh Seigneur, aie pitié, Seigneur Jésus. Nous avons péché, oh Dieu. Nous avons fait des alliances avec les ténèbres. Nous avons fait des alliances avec, oh Dieu, les esprits de la rébellion. Seigneur, tu les as chassés, oh Dieu, mon roi du ciel. Tu les as précipités, oh Dieu, mon roi. Mais moi, mes ancêtres, nous sommes allés faire des alliances avec ces esprits. Avec ces esprits, oh Dieu, mon roi. Animés d'une grande colère. Animés d'une grande colère. Oh Jésus, aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, l'homme de Galilée. Oh Seigneur, aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur, mon roi. Aie pitié, Seigneur Jésus. Je reviens à toi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh Jésus, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Oh Jésus, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je t'en supplie. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Yahweh. On va s'en tes pieds, Seigneur Jésus. On va s'en tes pieds au Père de gloire. Oh Jésus, pitié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donne demander à l'Éternel que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie. Alléluia. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Père de gloire et de bonté, je viens à tes pieds, Seigneur. Je déclare, Seigneur Dieu, désormais que tu as versé ton sang à la croix. Et oui, laisse que le sang de Jésus me lave, Seigneur. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me sanctifie, Seigneur Jésus. Que ton sang me lave de tout péché, de toute iniquité. Que le sang de Jésus, oh Dieu, efface, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mes transgressions devant toi. Que le sang de Jésus me lave, oh Dieu, mon roi. Que le sang de Jésus, oh Dieu, lave mon âme, lave mon cœur, lave, oh Dieu, tout mon être entier, Seigneur Jésus. Je pleure de ton sang, Seigneur. Que le sang de Jésus me lave, oh Dieu, mon roi. Le sang de Jésus. Oh Yahweh, je pleure de ton sang. Le sang de Jésus me purifie, me sanctifie. Le sang de Jésus, oh Seigneur, pour la mort, je te supplie au nom de Jésus. Le sang de Jésus, Seigneur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Esprit de Dieu, alléluia, descends sur moi. Oh Esprit de Dieu, alléluia, descends. Oh descends sur moi comme le jour de Pentecôte. Esprit descends sur moi, oh Yahweh, comme le jour de Pentecôte. Esprit descends sur moi. Bien-aimés, levons nos voix, invoquons l'Esprit de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas comprendre la parole, oh Dieu, de ce matin. Voilà pourquoi je t'invoque, oh Seigneur. Je t'invoque, oh Esprit de Dieu. Seigneur, que ton règne vienne. Yahweh, que ton règne vienne. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia,
nangai. Alléluia. Alléluia ngana beleli yo. Alléluia. 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 Nous te rendons les multiples actions de grâce. L'homme de Galilée, sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois loué. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour cette séance de la quarantaine. Seigneur, nous voulons t'acclamer, mon frère, ma soeur et moi. Parce que toi, tu es le roi des rois. Parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Le maître de toutes choses. Celui qui appelle à l'existence et ce qui n'existe pas. C'est lui qui dit une parole et la chose s'accomplit. Père, le moment est arrivé. Prends la direction de toutes les choses. Que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde. Que tout ce qui a été fait comme incantation, comme envoûtement, nuitamment, ce matin, dans la journée d'hier, Éternel des armées, pour arrêter, Seigneur, cette prière de la quarantaine, Éternel, nous venons déprogrammer cela dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Galilée, toutes les quarantaines parallèles, qu'ils soient détruits dans le nom de Jésus, toute représentation de nos vies dans le monde des ténèbres, dans le séjour des morts, soit détruits dans le nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, tout ce qui est de la mort, l'ombre de la mort, le pouvoir de la mort, nous le rendons caduque, nul et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu déclare qu'il nous a rachetés au prix de ton sang. De son sang, que son sang nous rachète du pouvoir, de la puissance de la mort. Au nom de Jésus, tout mort programmé est annulé, est déprogrammé, rendu caduque, nul et sans effet. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Éternel des armées, que ton feu consume, Éternel des armées, tout plan, tout projet de la mort contre nos vies, au nom de Jésus-Christ. La Bible qui est ta parole, qui est oui, amen, nous dit. Que Éternel des armées, que je ne mourrai pas moi, je vivrai, je proclamerai les oracles de l'Éternel. Je t'acclame, Seigneur, parce que je suis en train de proclamer tes oracles, Éternel des armées. Une mort est proclamée par le monde, les ténèbres n'a pas sa place. Sois élevé, Seigneur, que le Saint-Esprit soit notre partage. Que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus. En ces lieux, Seigneur, nous t'élevons comme le roi des rois. En ces lieux, nous t'élevons comme le Seigneur des seigneurs. En ces lieux, nous t'élevons comme le maître absolu. Reçois la gloire. Reçois les acclamations. Les cris de joie. Hosanna, Hosanna. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Laisse que tout
toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie de vous voir au nom de Jésus ce matin. Amen. Je sais que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Amen. Et il va faire les grandes choses dans ta vie. Alors sois béni ce matin. Amen. Tu es déjà béni. Amen. Ta présence en ces lieux, c'est une grande bénédiction pour toi. Est-ce que toute la gloire ne revienne qu'à notre Seigneur Jésus? Amen. Et vous savez, nous prions un grand Dieu. Amen. Il ne cache rien. Il a dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Amen. Abraham d'aujourd'hui, c'est moi. Amen. Parce qu'il me parle. Amen. Je comprends aussi son langage. Amen. Je sais qu'il te parle. Amen. Je sais encore ce matin qu'il va te parler. Amen. Alléluia. Amen. Alors, sois dans la joie. Amen. Christ est vivant. Amen. Il n'est pas celui qu'on croit qu'il est loin. Non, il n'est pas loin de nous. C'est-à-dire, tous les jours, apprends à communiquer avec ton Amen. Dieu. Amen. Apprends à percevoir le langage de Dieu. Apprends à comprendre quand Dieu te parle. Demande ça. Amen. Sinon, le Seigneur te parle. Si tu ne perçois pas, si tu ne comprends pas, tu n'auras rien. Amen. Il faut que tu arrives à communiquer, à rentrer en communion avec ton maître. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen, hein? Acclamons le Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Il est bon, celui qui nous a appelés. Amen. Amen. Alors nous avons fini avec le prix du trône et du règne. Je crois que tout le monde a accompli. Amen. Le prix à payer quand ce n'est pas Dieu qui t'a élevé. N'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de capital. J'aime le ministère des papas et des mamans Langui. Amen. Alléluia. Amen. Même dans là où ils sont, dans le lieu de repos, j'ai du respect pour eux. Ils ont cherché un vrai Dieu. Ils ont rencontré un vrai Dieu. Et ce Dieu-là est en train de sauver nos vies. Amen. Amen. Un amen et bien. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur pour le travail que papas et mamans bien fait. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le pouvoir de la destruction. Alléluia. Amen. Le pouvoir de la destruction. Nous allons partir petit à petit, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Un amen est bien. Amen. Nous allons faire ça en un mois parce qu'il y a 4 modules. Alléluia. Amen. Le pouvoir de la destruction. Amen. Amen. Je veux vous donner la genèse, comment le Seigneur m'a parlé. Voilà pourquoi j'ai dit, tu dois être capable de percevoir ce que le Seigneur te dit, de comprendre le langage du Seigneur, de que ton esprit, ton intelligence puisse comprendre ce que le Seigneur te dit. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire au Seigneur, maintenant on a fini avec les trônes, le pouvoir, le prix du trône et le prix du règne. Mais nous allons encore voir quoi. Pour moi, je disais que tout était fini. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, j'ai fait un songe. J'ai fait un songe, j'étais debout quelque part, j'ai vu un monsieur qui a construit une maison à étage. Maintenant, j'ai vu sa femme qui avait un gros marteau, qui a commencé à détruire ce que son mari avait bâti. Alléluia. Amen. Aussitôt, je n'ai pas compris ma baquette. Je n'ai pas compris,
J'ai continué ma prière quand nous sommes venus jeudi. Je priais. C'est tard dans la nuit que j'ai compris que le Seigneur me parlait de, du pouvoir qu'une personne a pour détruire. Un amen est bien. Amen. Alors, Dieu est bon. Amen. Il veut arrêter la destruction au-dedans de nous. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir comment le diable a utilisé les premières personnes sur la terre. Il leur a doté de ce pouvoir-là. Comme il continue à doter aujourd'hui. Donc, à la quarantaine, c'est-à-dire, nous venons pour nous découvrir. Amen. Nous venons comprendre les choses. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, on nous dit le pouvoir de la destruction. Pendant ces quatre modules, nous allons voir ces deux mots. Le pouvoir et la destruction. Qu'est-ce que le pouvoir? C'est le pouvoir, c'est avoir la capacité. Je crois, hein, Papa Jacques. Le pouvoir, c'est la capacité de faire quelque chose. Un amen est bien. Amen. Le pouvoir, c'est avoir la possibilité de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Maintenant, la destruction, c'est quoi? La destruction, c'est l'action de détruire. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir ces deux mots combinés. Le pouvoir de la destruction. C'est-à-dire la capacité de détruire. Alléluia. Amen. 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 Alors, dans ce module, nous allons voir, dans ces quatre modules, nous allons voir la destruction sous toutes ses formes. Alléluia. Amen. Le premier point que nous allons voir, c'est la destruction comme sémence dans la vie d'une personne. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. C'est-à-dire, on t'a laissé là, on a mis en toi, vous savez, une sémence, quand notre corps ressemble à une terre. On peut s'aimer des choses, hein? Amen est bien. Amen. Alors, parmi ces choses-là s'aimer au-dedans de nous, nous allons voir la capacité comme sémence qui a été s'aimer au-dedans de nous. S'il y a une sémence qui s'appelle, qui est destruction, au-dedans de nous, alléluia, Amen. Ça va faire quoi? Ça va nous détruire nous-mêmes. Alors, le premier module que nous allons commencer aujourd'hui, c'est la destruction comme sémence dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Je vais vous donner quand même le plan du cours. Alléluia. Le deuxième module, alléluia. Amen. La destruction comme mauvais sort. Par une parole de malédiction. Alléluia. Amen. On prononce une parole sur la personne et la vie de la personne va de destruction en destruction. Est-ce que vous êtes là? Si tu es là, dis alléluia, 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 alléluia. Ça, c'est le deuxième module que nous allons voir. Un amen est bien. Amen. Le troisième module, alléluia, amen. Nous allons voir destruction comme un héritage. Une personne qui hérite la destruction. Alléluia. Amen. Sur ce module, le Seigneur m'a parlé de, va nous parler de Moïse. Alléluia. Amen. Moïse, il était Lévi, mais il avait quelque chose de destruction en lui. Vous allez voir les tableaux que Dieu a écrits avec sa propre main. Ça devait être quelque part aujourd'hui que voici l'écriture de Dieu. C'est Dieu qui avait... la Bible nous dit que ce n'est pas un homme qui avait parlé, hein, mais c'est Dieu qui avait parlé sur les tablettes. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais à cause de la colère qui était une forme de destruction pour Moïse, il a fait quoi? Il n'a pas cassé, il a détruit. Où est ça aujourd'hui? On n'a pas... C'est-à-dire c'est quelque chose qui devait rester des millénaires et des millénaires. Mais à cause de la destruction qui était en lui, il a cassé. Il ne s'est pas arrêté là.
Quand on lui a dit de parler même pour, avec le rocher, il a fait quoi? Il a frappé. Et ça a eu des conséquences graves. Hein? Donc, nous allons aller lentement, mais sûrement. Ça, c'était le troisième module. Un amen est bien. Et nous allons voir le dernier module, destruction comme sanction venant de Dieu après une désobéissance. Un amen est bien. Amen. Donc, acclame le Seigneur Dieu. Nous avons tout un mois bien fourni. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que ça va faire plus, on ne sait pas. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Ça c'est. Alors, le premier point, nous allons voir destruction comme sémence dans la vie d'une personne. C'est le premier point que nous allons voir ce matin. Un amen est bien. Amen. Destruction comme sémence dans la vie d'une personne. Nous allons dire que dans ce premier module, nous allons voir la capacité de détruire chez une personne. Alléluia. Amen. 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 Cette personne aura deux choses à faire. Il va détruire autour de lui et il va faire ce qu'on appelle l'autodestruction. C'est-à-dire que la personne va poser les actes qui vont détruire autour de lui. Il peut aussi poser des actes qui va lui détruire lui-même. Alléluia. Amen. Je vais aller très doucement, même si ça va nous prendre 2 mois, même si ça va nous prendre 3 mois, mais nous devons comprendre comment la destruction fonctionne dans la vie d'une personne. Un amen est bien. Amen. J'ai dit dans destruction comme sémence dans la vie d'une personne. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La personne va présenter 2 choses. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire la destruction tout autour de lui. Il peut détruire lui-même de ses propres mains ses enfants. Il peut détruire lui-même son mari. Il peut détruire lui-même son mariage. Il peut détruire lui-même même la maison de Dieu. Il peut détruire lui-même ce qui est à lui. Un amen est bien. Le Seigneur peut te bénir. Le Seigneur peut te donner aujourd'hui un mariage, un ministère. Le Seigneur peut te donner aujourd'hui de l'argent. Mais cette sémence-là en toi, un amen est bien. Alléluia. Amen. Va détruire tout ce que le Seigneur t'a donné. Le pouvoir de la destruction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir de la destruction. C'est-à-dire la personne va détruire son mariage, ses enfants. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur te marie, Dieu te donne un bon mari. Mais quand tu as la destruction au-dedans de toi, tu vas faire des actes qui vont t'amener à détruire ce mariage-là. Amen. Les gens vont dire, oh, elle est dans l'impudicité, hein? Voilà pourquoi on l'a répudiée. Mais ce n'est pas qu'elle est dans l'impudicité, c'est-à-dire il y a un moteur, il y a quelque chose qui s'appelle destruction qui est au-dedans de la personne, qui l'a amené juste à commettre l'impudicité pour détruire quoi? C'est-à-dire, ce pouvoir-là, elle amène bien. Ça, c'est l'autodestruction. La personne qui a des enfants, il va commencer à maudire les enfants lui-même. Alléluia. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Comme j'ai vu avec ma mère. Ma mère, si elle avait un problème avec un enfant, alléluia. Elle dit, on va voir. Oh, quel camion t'écrase là où tu vas là. Alléluia. C'est-à-dire, la personne, le mari peut aller dehors. Écoute la femme. Elle va là-bas, non, sort bien, va commettre l'impudicité. Tu vas trouver les sida là-bas. Elle amène bien. Je vous dis, la parole, on a vu la parole avec vous. La parole a une grande efficacité. La parole, c'est un pouvoir.
Les gens disent que, les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est faux. Les paroles ne s'envolent pas. Les paroles sont stockées quelque part. Ils attendent le moment opportun pour accomplir ses desseins. Et ça, je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Ça, c'est la personne va commencer à faire des choses comme ça. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle l'autodestruction. Alléluia. Amen. La personne amène la destruction au-dedans de lui. Vous allez voir des gens qui se mettent à faire des avortements dans la jeunesse. Après, quand ils se marient, il n'y a plus d'enfants. Alléluia. Mais, alléluia. Amen. On se détruit soi-même. Après, à la fin, on commence à chercher l'enfant, l'enfant d'en bas. Où on a fait un avortement qui s'est mal passé, on a enlevé la matrice. C'est ce qu'on appelle l'autodestruction. C'est pas la volonté de la personne. C'est une semence qui est dans la personne qui le pousse à faire. Moi, j'ai vu, alléluia, même moi-même, alléluia. J'étais mariée avec un homme assis dans un foyer, je trouve une grossesse, je vais faire l'avortement. L'autodestruction. Il y a des conséquences graves. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens, moi j'ai travaillé dans ton bloc d'accouchement, j'ai vu les gens se faire perforer l'utérus, elle amène bien. Surtout chez nous en Afrique, l'avortement, ça se passe, peut-être maintenant, comment on appelle ça? Ça se passe maintenant d'une façon normale. Avant, les gens utilisaient de n'importe quoi. Alléluia. Donc il y a l'autodestruction et la destruction autour de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maman Tega, je parlais du pouvoir de la destruction, toi qui viens d'arriver. Oh là là. Amen. Alléluia. Alors, vous voyez même quand on parle de l'autodestruction. La Bible nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit, la femme est sage, elle bâtit ça. L'insensé, la détruit de ses propres. L'insensé à quoi? La destruction en elle. C'est-à-dire, elle va détruire ça. Va détruire son mariage de ses propres mains. C'est ça l'autodestruction. Elle amène bien. Alors, le cas pratique que nous allons voir pour ce module, destruction comme sémence dans la vie d'une personne. Amen. Alléluia. Nous allons voir le cas de Caïn. Amen. Le cas de Caïn. Avant de commencer, nous allons comprendre qui est Caïn. Alléluia. Amen. Qui est Caïn? Caïn, c'est la troisième personne sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Caïn, il n'avait jamais vu comment on tue quelqu'un. Mais pourtant, Caïn avait la destruction dedans de lui. Caïn n'avait jamais vu la guerre. C'est-à-dire, Caïn, ses parents, est-ce qu'on peut dire que c'est les prémices de la terre? Est-ce que c'est les premières personnes que Dieu a créées? Elle amène bien. Amen. Alléluia. C'est les premières personnes que Dieu a créées. C'est-à-dire, il a utilisé tout parce qu'il devait être. Les personnes qui devaient, comment on appelle ça, perpétrer, alléluia, amen, l'image et la ressemblance de Dieu. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. 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 D'où vient l'idée à Caïn de commettre un meurtre? À commettre cet acte qui s'appelle l'irréparable, la mort, le meurtre. Alléluia. Amen. Tout simplement parce qu'en Caïn, il y avait cette sémence-là. Alléluia, la sémence de la destruction. Elle amène bien. Caïn est né avec le pouvoir-là de détruire. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir pourquoi
la troisième personne de la Bible va commettre un meurtre. Il a pris ça où? Il a vu ça où? Mais comment aussi il sait comment on doit étouffer quelqu'un pour le tuer? Et amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. 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 Non, il s'est passé quelque chose. D'où vient qu'en nous, il y a cette envie-là de voir que l'autre meurt, que l'autre disparaisse. Il s'est passé quelque chose. Caïn, c'est un enfant qui est né comment? Nous allons voir les origines de Caïn. Et amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Né de Adam et Ève, les premières personnes sur la terre. Alléluia. Amen. Les parents de Caïn, alléluia, ils ont eu une vie avant la venue de Caïn, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. C'est les personnes que Dieu a créées avec tout son amour. Avec tout son cœur. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Il dit, créons l'homme. Il mobilise son fils. Il mobilise le Saint-Esprit. Il dit, créons. C'est-à-dire, unissons-nous. Créons un homme à notre image et à notre ressemblance. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, l'image et la ressemblance, c'est quoi? C'est-à-dire, avoir les éléments communs. Et là, nous allons lire. Genèse 1, le verset 26. Genèse 1, le verset 26, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vit que cela était bon. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Et, amen. Et moi je prends le 7. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Parole du Seigneur. Amen. C'est-à-dire, Adam avait les éléments communs avec Dieu. Non, je dirais, Adam avait les éléments communs avec la Trinité divine. Amen. Avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont dit, unissons-nous, créons. Ils sont d'abord un, alléluia, trois en un, alléluia. Amen. Créons l'homme à notre image, alléluia. D'où vient que l'image et la ressemblance de Dieu, alléluia, amen, donne naissance à un enfant meurtrier. La Bible nous dit, c'est-à-dire les enfants ont les éléments communs, alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas avoir un enfant, vous avez le groupe O, ou bien je crois le groupe, je ne sais pas, B, et vous donnez un enfant le groupe C. Non. L'enfant prendra soit le groupe de la mère ou le groupe de son père, soit les deux réunis. Et la mère est bien. Amen. On ne peut pas trouver, sauf ici, alléluia, il s'est passé quelque chose. Donc, si Adam avait les éléments communs avec la Trinité divine, son fils qu'il avait donné devait aussi avoir les mêmes éléments communs. Amen. Et la mère est bien. D'où vient que l'image et la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que cette image-là, qui était à Adam, elle amène bien. Adam devait donner un enfant à cette image-là. Elle amène bien. Amen. Mais d'où vient que l'image de Dieu est devenue un meurtrier? C'est la question que je me suis posée. Voilà pourquoi elle amène bien. Amen. J'ai l'habitude de dire, il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Si tu oublies d'où tu viens, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Un amen est bien. Amen. Si tu oublies d'où tu viens ne t'oubliera pas. Il va te poursuivre, il va te rattraper, il va t'arrêter au chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Moi, je ne sais pas.
avant que cet enfant-là vienne au monde, il s'est passé quelque chose. Est-ce que le chef de famille, Adam, papa Adam, alléluia, avait expliqué à son fils ce qui s'était passé et ce qui s'était fait? Il s'est passé quelque chose avant qu'Adam ne vienne au monde. C'est ça les origines. Et amène bien. Oh, je bénis encore le Seigneur pour les enseignements que papa et maman Langue nous ont donnés. Et amène bien. Le chef de famille, Adam, et est-ce qu'il a pris le soin quand Caïn est né? Est-ce qu'il a pris le soin quand Caïn a compris le bien et le mal? Est-ce qu'il a pris le soin de dire à Caïn, regarde, nous ici, hein, il s'est passé ça, après il s'est dit ça. C'est ce que nous avons vu, hein? Les origines, source de nos dépouillements, source de nos larmes. Il faut connaître ce qui s'est dit, il faut connaître ce qui s'est fait dans tes origines. Amen. Est-ce qu'il a pris ce soin-là de dire à Caïn que nous, on avait parlé avec le serpent? Yokeranga mawae kolonanga yokeranga mawae zambe nanga ye yokeranga mawae zambo ye yokeranga mawae. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la révélation des origines. Cette révélation, c'est quoi? On périt parce qu'on ne sait pas ce qui s'est fait. On périt parce qu'on ne sait pas ce qui s'est dit. Et si je parle à quelqu'un, amen. Alléluia, un amen est bien. Caïn ne connaissait pas ses origines. Caïn ne savait pas ce qui s'était passé avant sa naissance. Est-ce que toi, tu es là? Tu connais ce qui s'est passé avant toi? Tu vis seulement des choses. Tu subis les choses. Tu vis la destruction. Tu commets la destruction. Je commets la destruction moi-même. Je détruis tout ce qui passe dans mes mains. Je détruis tout ce que le Seigneur me donne. Est-ce que je sais ce qui s'est passé? Quand on ne sait pas ce qui s'est passé, un amen est bien. Amen. C'est-à-dire qu'on va subir les conséquences gratuitement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous allons voir les origines de Caïn. Genèse 3, le verset 1 à 6. Ce qui s'est fait, ce qui s'est dit avant que Caïn ne vienne au monde. Amen. Amen. Genèse 3, 1 à 6, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Or, dans les origines de Caïn, il s'est passé des choses. Avant que Caïn ne vienne au monde. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Les choses, il y a des éléments, il y a des choses qui se sont passées dans notre famille. Alléluia. Amen. Il faut savoir les dire à nos enfants que regarde, moi j'ai fait ça, je suis tombé là. Comme ça, la Bible nous dit ce qu'a été vos pères, vous l'êtes aussi. L'enfant va prendre les précautions, va savoir que ah, ma mère dans sa jeunesse, elle a fait des avortements. Ma mère dans sa jeunesse, elle a fait ceci. Ma mère a fait cette maladie. Ma mère a fait le fétichisme. Ça, alléluia, j'ai rencontré un enfant ici, un jeune homme. Alléluia. Amen. Ses parents étaient dans l'occultisme, dans le fétichisme quand ils étaient en Afrique. Quand ils sont venus ici, ils ont eu cet enfant-là. Ici en Europe, un petit Français, un amen et bien, amen, va voir les marabouts. L'enfant se retrouve aussi dans l'occultisme. Les parents ne lui avaient pas dit que nous, on avait fait cette chose-là. Mais les parents sont surpris. Pourquoi? On doit dire les choses. Amen.
Si vous ne dites pas les choses des générations à venir, comment ils sauront pour ne pas tomber dans le même trou? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Or, avant la naissance de Caïn, ses parents avaient parlé avec le serpent. Alléluia. Tu ne vas pas me dire que, à cette époque-là, les serpents parlaient. Non. Vous savez, il y a une leçon, je crois, on appelle ça le champ de bataille. Amen. Alléluia. Amen. Le champ de bataille, ça se trouve où? Là. C'est la pensée. Amen. C'est la pensée. C'est-à-dire le diable injecte. On dit le serpent. Alléluia. Le serpent parla avec Ève. Le péché a commencé, c'est à Ève, non? Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est là, le champ de bataille. Le premier champ de bataille, c'est ici. C'est la pensée. Vous savez, l'homme écoute facilement la voix du diable qu'il ne perçoit la voix de Dieu. Dieu peut parler dans ton esprit. Un amen est bien. C'est difficile pour toi de. Mais quand le diable t'injecte quelque chose, oulala. Oulala, la rapidité dont tu vas exécuter cette chose-là. Un amen est bien. Dis au Seigneur, aie pitié. Amen. Apocalypse 12, le verset 9, frère Joseph. Amen. Abi déclare ceci. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est le diable lui-même. Alléluia. Amen. Celui que nous appelons le serpent ancien. Amen. Celui qui séduit Adam et Ève. Alléluia. Il séduit. Un amen est bien. Il a éjecté une parole. Il a dit, tu regardes là. Le problème, Dieu avait créé beaucoup de choses. Le problème, c'était pas qu'ils ont mangé. Le problème, c'est qu'ils ont transgressé la loi. Ils ont transgressé la loi. Ils sont tombés dans quoi? Dans la désobéissance. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, c'est une sémence, une pensée du diable dans la vie d'un homme. C'est une sémence. Ça doit produire des fruits. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Alors, au-dedans de Ève, il y avait cette chose-là. Il y avait cette sémence-là, de la désobéissance, de la transgression, du mal. C'était la sémence du diable. Un amen est bien. Alléluia. Ève traînait avec ça. La chose est arrivée. On les a chassés du jardin d'Éden. Elle est sortie avec quoi? Avec cette chose-là au-dedans d'elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je crois fermement au ministère de la délivrance. Alléluia. Je crois fermement à ça. Un amen est bien. À mon époque ici, j'allais renoncer à cette pensée-là. J'allais détruire cette pensée-là. Au nom de Jésus-Christ, un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Nous ne voyons même pas là où Ève et Adam ont renoncé à cette pensée. Alléluia. Amen. Quand elle les a chassés, on n'a même pas vu là où ils ont fait la repentance. On dit, Seigneur, aie pitié. Seigneur, pardonne-moi. Un amen est bien haut. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes une génération des gens bénis. Amen. Alléluia. Parce que nous avons la connaissance. Un amen est bien. Amen. Quand tu as cette chose-là, tu as vu même les serpents dans tes pensées, tu vas renoncer à cette pensée-là, la pensée de la destruction, tu vas l'arracher, tu vas l'arrêter au nom de Jésus. La Bible nous dit au nom de Jésus, tout genou. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ève tombe enceinte avec cette chose-là. Et tu es tombé enceinte et je suis tombé enceinte avec quoi? Avec quelle sémence? Alléluia. Amen. Toi, papa qui es là, tu es parti avec une femme, tu lui as donné ta sémence. Ta sémence là est composée de quoi? Aujourd'hui, il y a un enfant qui est né. Alléluia. Amen. Les pauvres innocents, Caïn et Abel, ils viennent au monde avec cette sémence que les parents ont eu où? Et si je parle à quelqu'un, Amen. Alléluia. Amen. Tu es né avec quelle sémence? Je
suis né avec quelle hein? C'est mon aujourd'hui. Ces deux enfants-là, ce sont des innocents. Ce sont des victimes. Le diable voulait faire rentrer la destruction dans la race humaine. Il a vu, on a dit, il était animé quoi? D'une grande colère. Il a dit, je veux me venger de Dieu comment? Je veux mettre la destruction dans les hommes qui ont pris ma place. Les hommes qui ont dit qu'il a créé à son image. C'est-à-dire, il voulait toucher. L'homme, c'est le cœur de Dieu. L'homme, c'est l'enfant de Dieu. C'est le bébé de Dieu. C'est quelque chose que lui, il a créé avec son cœur, avec son amour. Il s'est uni. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais le diable, il devait attaquer où? Il devait attaquer seulement là où ça fait hein? Mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Le diable a dit, moi je vais mettre une semence là-bas. Comme ça, ça va se perpétrer jusqu'à... Mais qu'est-ce qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui? C'est la destruction. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Ça a commencé où? Ça a commencé au jardin d'Éden. Les pauvres innocents vont venir au monde. Caïn et Abel, ils ne savaient pas. Ils étaient en train de jouer. Je ne sais pas, ils avaient combien de cardages. Alléluia. Amen. Ils étaient là. C'est mon frère, c'est ma soeur. Alléluia. Mais ils ne savaient pas qu'il y a quelque chose au-dedans de eux qui va les amener où? À la destruction. Yokeranga mawae kolonanga. Yokeranga mawae zabenanga ye. Yokeranga mawae zaboyo. Yokeranga mawae zaboyo. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne savait pas. Caïn ne savait pas qu'il était né avec quelque chose d'amer au-dedans de lui. Et l'amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils sont sortis du jardin d'Éden avec leur destruction, ils n'ont pas fait la repentance, ils n'ont pas dit au Seigneur, eh hey, pardon, délivrez-nous. Cette chose-là, et l'amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. Le but, le diable voulait faire entrer la destruction, il a choisi. C'était Ève. Alléluia. Et Ève a communiqué à son mari. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il voulait faire mal. Alléluia. Amen. La destruction vient du diable. La destruction vient du serpent. Le serpent, c'est le diable lui-même. Elle amène bien. Amen. Quand tu vois le serpent dans tes rêves, alléluia, tu as rencontré le diable. Alléluia. Amen. On dit malheur à la terre. Il est descendu avec une grande colère. Premier acte de destruction du diable sur la terre. Alléluia. Amen. C'est quoi? Il devait séduire. Ève injecter cette chose dans la vie d'Ève. Alléluia. Amen. Ève, sa descendance devait avoir la destruction en eux. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'homme a la destruction en lui, il confond même ses ennemis. Il commence à voir mon ennemi, c'est frère Joseph. Mon ennemi, c'est maman Esther. La confusion dans la tête. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand tu as cette chose qui s'appelle la destruction au-dedans de toi, alléluia, vous savez, on est quoi? On est une arme que le diable utilise pour accomplir ses desseins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez en vous, vous commettez les actes de la terre. Pendant que je suis en train de parler, commence à voir ta vie. Commence à voir ta vie depuis que tu étais un enfant jusqu'à aujourd'hui. La qualité des actes que tu poses. Vous savez, quand tu commets les actes qui amènent à la destruction, tu es une arme, tu es l'instrument que le diable utilise pour accomplir ses desseins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis, aie pitié. Aie pitié. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas parce que tu me regardes étonné. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Une arme, c'est-à-dire une personne est devenue une arme que le diable utilise pour accomplir ses désirs. Le désir du diable, c'est quoi? C'est la destruction. C'est-à-dire, tu deviens, comment on appelle ça? Lingala, on dit, tu deviens mundoki.
Tu deviens un sujet, quelle que soit la forme de la destruction que tu utilises. Vous savez, le mensonge, c'est une grande forme de destruction. Alléluia. Amen. À cause du mensonge, hein, deux états peuvent rentrer en guerre. Vous savez ça? Amen. Et si je parle à quelqu'un, Amen. À cause du mensonge, hein, deux états peuvent rentrer en guerre pour faire quoi? La destruction. Le mensonge, une grande arme de destruction. Alléluia. Si jusqu'aujourd'hui nous sommes dans le mensonge, c'est-à-dire nous sommes les éléments du diable, que le diable est en train d'utiliser, nous utiliser pour accomplir ses désirs, elle amène bien. Alléluia. Quelle que soit la forme de la destruction que toi tu utilises, alléluia. Amen. La calomnie. Faut pas regarder les grandes choses. Commence à regarder seulement les petites choses. Et si je parle à quelqu'un? Amen. La calomnie. Quelqu'un n'a rien fait. Tu véhicules un message. Comme je vois aujourd'hui, les gens, vous voyez quand quelqu'un commence à véhiculer le mensonge pour salir quelqu'un, commence à véhiculer quelque chose, un message, alléluia. La chose, tu crois que tu es en train de salir la personne. Tu n'es pas en train de me salir, Bandeko. Tu as une arme que le diable utilise. Tu as un élément que le diable utilise pour détruire les autres. Alléluia. Amen. J'ai vu les gens parler mal de son prochain, le salir, un amen et bien, amen. Alléluia. Amen. C'est pas que tu fais mal à la personne. Non, tu es l'ami du diable. C'est-à-dire le diable est en train de t'utiliser pour amener une forme de destruction. Eh ben, Beko, quand tu es ami du diable, tu es qui pour Dieu? Quand tu travailles pour le diable, tu es qui pour Dieu? Tu prends la nudité de quelqu'un, tu vas mettre ça dans les réseaux sociaux. Par exemple, il avait fait ça. Oh, il a volé. Oh, il a commis l'impudicité. Oh, il a fait ci. Oh, il a volé l'argent de Dieu. Oh, il a fait ci, il a fait ça. Oh, il a détourné le fond. Est-ce que c'est ton problème? Tu as un élément, un agent du diable que le diable utilise pour détruire. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même la sorcellerie. C'est-à-dire la sorcellerie au-dedans d'une personne, c'est juste pour accomplir les desseins du diable. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi, dans mon cœur, quand je vois quelqu'un la nuit, quand le Seigneur me dit que telle personne est dans la sorcellerie, elle amène bien, même si la personne m'a attaqué. Moi, alléluia, Amen. Je fais la repentance pour la personne. Amen. Je ne suis pas là à juger les gens. Je fais la repentance, je pleure, je suis là dans le bureau, je suis à genoux, j'ai vu des choses, j'ai vu les gens m'attaquer la nuit, j'ai vu des choses, un amen est bien, alléluia. Je prie, je sais que la personne, c'est l'image, c'est un agent, c'est un instrument, c'est une arme hein, dans les mains du diable pour me détruire, un amen est bien. Je vais vous faire un témoignage. De ce qui s'est passé seulement cette semaine, je crois que c'est en début de semaine, c'était lundi je crois, alléluia, on a fait l'adoration dimanche, lundi je suis parti dormir, alléluia, j'ai prié, faut pas jouer avec la vie n'est pas un jeu, est-ce que tout le monde m'écoute, je suis parti, on a fait une bonne prière, je dors. Alléluia. Je dors. 4 heures du matin, j'arrête de respirer. Ce lundi. Hein. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Alléluia. Hein. Ce lundi, j'arrête la respiration. J'arrête de respirer. C'est pas un rêve. Normalement, la respiration s'est arrêtée. Ah, heureusement qu'on est en prière. Alléluia. Amen. Moi, je dormais sur le lit. Papa, il, comme on est en prière, il dormait par terre. Alléluia. Amen. Comme je sortais d'une grippe qui m'a vraiment secoué, j'ai dit non, peut-être que c'est le tapis que je respire qui fait que j'ai eu cette grippe-là. Je monte sur le lit. Amen. Alléluia.
parce que j'étais par terre aussi. Je, ce jour-là, je suis montée. Alléluia. Maintenant, la respiration s'arrête. Pas dans le songe. Consciemment, je savais que je ne pouvais plus respirer. Alléluia. Je, là où j'étais sur mon lit, je voyais mon mari par terre. Mais je n'arrive plus à respirer. Moi, j'ai dit que c'était mon intelligence. Mon mari me dit, c'est pas ton intelligence, c'est ton esprit. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je voyais que je me suis séparé de mon corps. Quand la respiration s'est coupée, pac, je me suis vu séparé. Moi, j'ai appelé ça mon intelligence. J'ai dit à papa que c'est mon intelligence qui voyait cette chose. Papa m'a dit, c'est pas ton intelligence, c'est ton esprit, parce que ton corps était mort et tu t'es retrouvé, l'esprit s'est séparé du corps mort. Alléluia. Je regardais maintenant mon corps. Maintenant, moi, non, prenons soin de l'esprit. Hein. L'esprit a les sentiments. Alléluia. Prenons soin de l'âme, prenons soin de l'esprit. L'esprit et l'âme ont des sentiments. Ils s'attristent, ils perçoivent aussi des choses. Alléluia. Mais je ne pouvais pas parler à papa. Parce que papa, il était un homme vivant. Moi, j'étais là. Mais non, je ne pouvais pas aussi le réveiller. Je n'avais pas cette capacité-là. Moi, je voulais repartir dans mon corps pour respirer, pour réveiller mon mari. C'est-à-dire, je tentais de rentrer dans mon corps, je ne pouvais pas. Et si je parle à quelqu'un, amen. Vous qui jouez avec hein, l'âme et l'esprit, vous prenez, on prend, nous tous, on prend plus de temps à s'occuper de la chair. La chair sans l'esprit, c'est zéro. J'ai fait la première tentative, j'ai voulu rentrer au-dedans de moi pour dire, réveille-toi papa, je suis en train de mourir. Mais je ne pouvais pas. J'étais là. J'ai fait comme si... C'est-à-dire, pour moi, je disais que c'est l'intelligence. Je voulais que... C'est quelque chose d'inexpliqué que je n'ai pas encore la compréhension jusqu'à maintenant que je vous parle. Je n'arrivais pas. J'ai fait la première tentative, je n'arrivais pas. J'ai fait la deuxième, je n'arrivais pas. Il y avait un barrage total. Je ne pouvais pas communiquer avec mon corps. Je ne pouvais pas être en contact avec mon corps. Acclame le Seigneur. Je vous dis, je ne sais pas ça là, c'est l'âme ou l'esprit, je ne sais pas l'expliquer jusqu'à maintenant. Une tristesse m'a envahi, maman Bakel. En une minute, j'ai vu mes enfants. Je comprenais les choses. Je disais donc, je suis mort. L'esprit ne meurt pas. Alléluia. Je me disais donc, je suis morte. Le lundi, ça ne fait pas une semaine. Je disais... Donc, je suis morte. Je dis, mais mes enfants, ils seront choqués. Mon mari sera choqué. Mais la maison de Dieu, j'ai dit, bon. Mais j'ai pensé à Sarah avec les enfants. Je me suis dit, mais on vient à peine d'enterrer Ruth et moi, je meurs. Mais ma famille, qu'est-ce qui va devenir? Alléluia. Un amen est bien. Amen. Je me suis attristé au-delà de la tristesse. J'étais là, je ne pouvais pas, je regardais mon corps, je regardais mon mari, mais je ne pouvais pas lui parler. Pour le parler, je devais être... Alléluia. Je me suis attristé, d'une drôle de manière. Mais j'ai écouté une voix qui me dit, au lieu de t'attrister, prie. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Vous vous réveillez le matin, vous voyez les gens, vous voyez quelqu'un est mort. Mais son esprit est là. Il veut rentrer en contact avec... Mais il peut pas. Oh, Jésus. Quelle grâce. Alléluia. Me dit, mais au lieu de t'attrister, prie. C'est-à-dire, ma tristesse, c'était comment les gens seront choqués. La première cicatrice est encore ouverte, ça saigne encore. J'ai dit, comment ils vont s'en sortir? Alléluia. Alléluia. La voix me dit, prie.
Je n'ai pas fait, oh, j'arrache ou quoi. J'ai dit seulement, mon esprit a compris que c'était la voix du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux vivre. Amen. Quand j'ai fini de dire, Seigneur, je veux vivre, j'ai senti une connexion. C'est-à-dire, la pensée là, l'intelligence là, que papa a dit que c'est l'esprit ou l'âme là, a fait comme un bond avec le corps. Je me suis levé. Papa, alléluia. C'est-à-dire, quand il a dit ça, j'étais assise. J'ai réalisé que c'était la mort. Et que c'est Christ qui m'a ramené. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. J'étais là maintenant, consciente. Je me suis réveillée, j'étais assise. Je voyais mon mari dormir. Alléluia. Amen. La relation avec Dieu. Amen. 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 Soit de ta relation personnelle Amen. Avec Dieu. Amen. Parce que quand la mort va arriver, oui. Même ton mari ne saura même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Même tes enfants ne sauront même pas. Même la personne que tu fais confiance là, il ne saura même pas. Alléluia. Un amen bien, tu seras toi-même face à cette réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est le moment de prendre la vie au sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis réveillée, j'étais assise, j'ai dit, je ne veux pas le choquer. Si je le réveille en sursaut là, il va avoir peur. J'ai dit au Seigneur, dis-moi, je suis en train de mourir, pourquoi? J'ai fait quoi? J'ai ouvert une porte? Est-ce qu'il y a quelque chose? Dis-moi. Ça n'a pas duré. Oh non, le Seigneur était avec moi. Amen, amen, amen. Le Seigneur me dit, c'est un tel. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit, c'est un tel. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est moi et Dieu est un tel. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai dit au Seigneur, tu es là. Tu es en train de m'écouter. Regarde mon cœur. Dans mon cœur, aucune trace de haine pour un tel. Parce que je sais que ces derniers temps, un tel est en train de beaucoup m'attaquer. Alléluia. J'ai dit, regarde mon cœur. Aucune trace de colère contre un tel. Aucune haine contre un tel. Mais toi, tu m'as dit, dans ta parole, là, j'ai lu à moi la vengeance, à moi la rétribution. Moi, je recommande un tel entre tel, mais je suis pour moi resté, j'ai dormi. Et je continue à dormir et me réveiller jusqu'à aujourd'hui. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Aucune haine. Parce que moi, je sais qu'un tel, c'est une arme que le diable est en train d'utiliser pour ma destruction. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur ne lui donnera pas ses cadeaux. Amen. Un amen est bien. Amen. Parce que la Bible me dit, je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai. Amen. Je proclamerai les oracles de l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Amen. Je suis en train de proclamer Amen. Les oracles de l'Éternel. Amen. Amen et bien. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, accorde-moi seulement la grâce. Amen. J'ai encore du boulot. Amen. Je dois enseigner maman Sarah. Amen. Amen et bien. Amen. Je dois amener Esther à la délivrance. Amen. Amen et bien. Amen. J'ai du boulot moi. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Moi, j'ai du travail à faire. Amen. Alors toi, tu vas programmer ma mort. Et qui va faire ce travail? C'est toi? Non. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous allez voir, beaucoup ont la destruction en eux. Ils se sont convertis de l'image et de la ressemblance de Dieu en armes destructive du diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette conversion-là? Amen. Nous sommes l'image à la ressemblance de Dieu. Mais la destruction nous convertit en armes du diable. Tu dois renoncer. Amen. Je dois renoncer. Amen. Je refuse. Moi, je suis je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Je refuse la destruction. Amen. Même si mes parents ont parlé avec le serpent, qui est le diable lui-même. Même si moi-même, dans la fausse croyance, j'ai parlé avec le diable, je refuse d'être une arme. Amen. Pour les desseins du diable. C'est à toi la décision ce matin. Amen.
Et si je parle à quelqu'un, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous avez la destruction en vous, vous êtes en mission pour le diable. C'est-à-dire détruire les hommes que Dieu a créés en son image. En ce moment-là, vous êtes l'ennemi de Dieu, quelle que soit la forme de la destruction que vous utilisez. Alléluia. Amen. Vous savez, je refuse que le diable m'utilise comme arme. Même pas la destruction, même pas la calomnie, même pas la sorcellerie. Alléluia. Je vous ai dit même un petit mensonge. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. Vous savez, ici nous sommes en train de parler des choses du Seigneur. Il y a des pays qui ont été détruits à cause d'un mensonge. Amen. Un faux rapport seulement, rempli du mensonge. L'autre pays va détruire l'autre pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que quoi? Un petit mensonge. Un amen et bien. Alléluia. Nous allons avancer. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 4, le verset 6 à 7. Verset 6 à 7, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. J'aimerais parler de quelque chose qui amène les gens à la destruction, le manque du pardon. Amen. Si tu agis bien, elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux lire ça. Amen. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Pourquoi le manque du pardon au milieu même des enfants de Dieu? Pourquoi le manque du pardon dans l'église? Même dans les responsables dans les églises, manque de pardon incroyable. Mais on prêche quoi? On est le micro, on parle du Seigneur, mais quelque part, nous responsables d'église, on n'a pas pardonné à une personne qui avait peut-être mal parlé de toi. Mais quand tu es un personnage, public, on parlera de toi. Aujourd'hui, quand quelqu'un parle de ma Boleko, mais je sais que je suis quelqu'un de public, on parlera du mal de moi, on scrute ma vie, on regarde mes erreurs. Alors, il y a des gens qui ne peuvent pas pardonner. Oh, on m'avait parlé de moi. Oh, ils étaient... Mais c'est normal qu'on parle de nous. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, reste dans ta chambre sous ton lit. Alléluia. Manque de pardon dans les enfants de Dieu. Oh, et tu m'avais fait ça. Oh, je ne viens plus à la salle parce que maman m'avait fait. Je t'avais fait quoi? Elle amène bien. Oh, je ne vais plus aller là-bas parce qu'on m'avait donné les marteaux. Mais les marteaux sont faits pour donner aux gens. On ne peut pas donner les marteaux aux animaux. Tu n'as rien fait, on te donne les marteaux. Alléluia. Est-ce que vous connaissez même les marteaux que maman a donné? On t'a fait une remarque, tu as fait quelque chose de mauvais, tu appelles ça marteau. C'est pas ça le marteau. Elle amène bien, on t'a redressé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si je parle à quelqu'un, Amen. Manque de pardon, on va s'arrêter là. Manque de pardon, c'est une grosse arme de destruction massive. Elle amène bien. Amen. Tu es là toujours avec les problèmes. Tu es là toujours, on m'avait fait ça, je ne fais pas oublier ça. Mais tu pries quel Dieu? Tu ne pries pas Dieu, tu perds ton temps. Tu es une arme que le diable utilise pour détruire l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu. Vous avez vu la réaction que moi j'ai eue? Alléluia. Amen. Même mon manque de pardon va faire quoi à quelqu'un? Alléluia. J'ai dit, Seigneur, regarde mon cœur. Aucune trace de haine vis-à-vis de la personne qui est en train de me faire du mal. Aucune trace. Je peux me fâcher, je peux te faire la remarque, mais ne pas te pardonner même si tu me fais du mal. J'ai dit, Seigneur, regarde mon cœur. Tu as dit, quand tu gardes la colère, Dieu ne rentrera pas dans ton combat. Au contraire, pardonne.
recommande la personne entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, à moi la vengeance et à toi la vengeance et à toi. Là, tu verras tôt ou tard la colère de Dieu, la vengeance de Dieu. Quand tu es en manque de pardon, c'est-à-dire Dieu ne va pas rentrer dans ton combat. Alléluia. Vous avez vu des gens, les associations de tous les sorciers réunis, ils n'arrivaient pas à atteindre la personne. Pourquoi? Parce que la personne pardonne. Alléluia. Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. Manque de pardon. Alléluia. Nous allons lire maintenant cette chose-là, la sémence du mal que Ève avait eu et Adam avait eu du diable, de Satan, du serpent. Ils ont transmis ça à leur enfant. Alléluia. Un amen est bien. Écoutez maintenant ce que leur enfant fait. Adam connut Ève et sa femme. Et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une première née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Un amen est bien. Amen. Est-ce que Caïn avait des problèmes avec elle, avec Abel? Est-ce que c'était le problème d'Abel qu'on a refusé? Dieu n'a pas regardé d'un regard favorable l'offrande de Caïn? Non. Alléluia. Mais le diable qui avait sa sémence, qui avait son arme au dédain de Caïn, il voulait manifester quelque chose. Il a pris seulement cette arme-là, qui est la destruction. Ce qui était au dédain de Caïn, il a fait quoi? Il l'a utilisé. Alléluia. Contre son frère. Nous allons lire. Alléluia. Ce n'était pas le problème d'Adam et de Caïn et d'Abel. Elle amène bien. C'était un problème du diable qui voulait manifester quelque chose à cause de cette sémence-là qui était dans la vie de Caïn. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. C'est même Caïn qui lui adressa la parole. Alléluia. Amen. Abel n'avait rien dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible nous dit, cependant, Caïn adressa sa parole. Adressa la parole à son frère Abel. Si Abel avait parlé, on allait dire qu'Abel était en train de se moquer de lui. Mais Abel n'a rien dit. Un amen est bien. Mais en ce moment-là, Caïn incarnait celui qui est descendu avec une grande colère. Un amen est bien. Il dit, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn commis l'irréparable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un amen est bien. Alléluia. Vous allez voir, il a commis l'irréparable. Il a appris ça où? Il a eu ça où? Il n'a jamais vu où on tue une personne. Il n'a jamais vu où on étouffe une personne. Alléluia. Amen. Ils étaient quatre à l'époque sur la terre. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. On peut dire que l'enfant a vu à la télé. Il n'a pas vu à la télé. Mais la chose était au-dedans de lui. C'est cette chose-là qui est au-dedans de moi. C'est cette chose-là qui est au-dedans de toi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette chose-là qui enfuit au-dedans de nous, qui est en train de détruire les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. On les a chassés du jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Ils sont sortis avec leur destruction. Alléluia. Amen. Ils sont sortis avec la sémence qu'ils avaient eue du serpent. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nos ancêtres aussi, ils ont parlé avec le même serpent. Alléluia. Amen. Moi, je vais vous parler de ma famille. Dans ma famille, le Dieu, c'est le serpent.
Le serpent, c'est qui? C'est le diable lui-même. Un amen est bien. Ça veut dire que dans ma famille, on adore le diable. Des fois, nous, on se trompe, on croit que non, les gens qui adorent le diable en personne, c'est les occultistes. Oui, mais nous aussi, nous adorons le diable sous beaucoup de formes. Un amen est bien. Alléluia. Quand nous utilisons les choses qu'eux ils font, les fétichismes, la sorcellerie, toutes ces choses-là, ça vient d'où? Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. Amen. On a parlé au diable. Nos ancêtres ont parlé au diable. Ils ont eu cette semence-là au-dedans d'eux. Et ils nous ont transmis ça. Un amen est bien. Alléluia. Des fois même nous-mêmes. On est parti chercher à la recherche de la richesse. Vous savez, les cours sont soudés. Les enseignements que le Seigneur nous donne sont soudés. C'est les mêmes choses. Un amen est bien. À la recherche de la gloire, l'homme est parti consulter le diable. Donne-moi du pain. Je te donne. Donne-moi la semence. Je te donne quoi? Je deviens ton esclave. Pharaon, là, c'est qui? Il travaille pour qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que jusque-là, tu es en train de me comprendre. Amen. Aujourd'hui, depuis nos ancêtres, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Ils ont adoré les diables, ils ont adoré les... Ils sont rentrés dans l'idolâtrie, un amen et bien. Amen. Alléluia, amen. L'idolâtrie, c'est une forme, c'est un culte qu'on rend au diable. Alléluia. Aux gens, à notre ère ici, hein, les gens sont, ils ont développé plusieurs formes d'idolâtrie. Alléluia. Amen. Ça, c'est entre parenthèses. Hein, amen et bien. Amen. Il y a des habits qui sont venus même les idolâtres. C'est des idoles. Les habits sont devenus l'idole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a oublié Christ. On a laissé Christ loin. C'est-à-dire, on s'est centré à moi. C'est une forme de culte de soi-même. Alléluia. C'est le diable, ça. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Et cette chose-là a détruit Abel. Alléluia. Amen. Ça a détruit Abel. Alléluia. Amen. C'est seulement la destruction que les parents ont eu du diable dans le jardin d'Éden qui a continué, qui a détruit, qui est rentré dans Caïn, qui a détruit Abel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous sommes en train de voir la destruction comme sémence dans la vie de personne. Vous savez, une personne, quand il a la destruction au-dedans d'elle, j'étais en train de dire, on peut te donner un bon mariage aujourd'hui, mais quand tu as la destruction au-dedans de toi, tu vas commettre les actes qui vont amener quoi? La destruction du mariage. Tu vas commettre des choses honteuses, par exemple. Je vais prendre l'exemple de l'idolâtrie, de la pudicité, de l'adultère. Alléluia. Amen. Si l'autre côté, il n'y a pas de pardon, et le mariage est dissous, il n'y a pas que l'impudicité qui amène à la destruction du mariage. Alléluia. Tu as la destruction au-dedans de toi. Ça va prendre beaucoup de formes. Tu as une femme qui ne respecte pas son mari. Une femme qui injurie, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut te donner l'argent aujourd'hui, beaucoup d'argent. Tu as la destruction en toi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas faire des dépenses inutiles. C'est-à-dire, l'intelligence arrive quand l'argent est fini. Quand tu as l'argent, c'est-à-dire tu oublies tes projets, tu oublies tes objectifs. C'est la destruction. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux aussi détruire la relation que tu as. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Vous savez, la relation avec une personne, c'est une richesse. Il y a des gens, comme ils sont dans la destruction. Ils ont la destruction en eux. Même s'il est bien avec la personne la plus douce du monde, la finalité va détruire cette relation. Pourquoi? Mauvaise réponse. Il ne sait pas parler. On parle mal aux gens. On répond mal aux gens. On ne respecte pas. Un amen est bien, alléluia. Amen. Moi je vois les gens, alléluia. Je dis, la personne est utile, maman Baker. Tu peux avoir des milliers d'argent aujourd'hui. L'argent ne se levera pas pour te rendre un service. Amen. Tu vas utiliser la personne. Un amen est bien, amen. Alléluia. Voilà pourquoi moi, je parle de moi parce que je me connais. Amen.
Alléluia, je ne peux pas parler de quelqu'un. J'ai vu beaucoup de choses, que ce soit ici, que ça soit même ici. Alléluia, je vois beaucoup de choses, comment les gens jouent avec les relations. Alléluia, alléluia. Amen. J'ai vu beaucoup de choses. Alléluia, Dieu m'a fait grâce, quel que soit ce que la personne va me faire. Alléluia, je me suis retrouvé ici même à Grenoble. Mais la personne te fait quelque chose, il oublie tout ce que tu lui as fait. Alléluia. Mais Dieu m'a fait grâce. Un cœur qu'il m'a donné par grâce, le pardon. Alléluia. Le pardon. Quel que soit ce que la personne va me faire, c'est-à-dire plus tu me fais du mal, plus je te ferai du bien. Et si je parle à quelqu'un, plus que tu es en train de me faire du mal, de m'humilier, de faire de moi ce que tu veux, plus je te ferai du bien. Je sais pourquoi est-ce que je te fais du bien. Je te fais du bien pas à cause de toi, mais je te fais du bien parce que c'est la loi de l'éternel. Faire du bien. Alléluia. Je ne permettrai plus à la destruction de se manifester dans mes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est la décision que tu devais prendre ce soir. Jésus-Christ arrive bientôt. Si tu te trouves en train de continuer l'œuvre de la destruction, tu iras en enfer. Un amen est bien. Alléluia. Donc, tu as ce pouvoir-là. Tu as la capacité d'interdire à tes membres d'exercer cette fonction de destruction. Amen. Tu as le pouvoir. La Bible a dit, alléluia. Alléluia. Il nous a donné une bouche auquel personne ne peut résister. Tu peux parler. Il faut regarder sa vie justement. Est-ce qu'en moi, il n'y a pas la destruction? J'ai regardé ma vie. Je suis ici à la salle depuis jeudi. Je suis en train de pleurer. Je suis en train de crier. J'ai regardé ma vie depuis que j'étais une masse informe dans le fond de ma mère. Jusqu'à maintenant, j'ai accompli beaucoup d'actes de destruction. Je suis surtout dans l'adolescence. On fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la réponse. Nous allons voir la destruction. Tu vas regarder ta vie avec papa Jacques. Quelle arme de destruction j'ai utilisée? Avec maman Sarah, avec Joseph, avec Esther, avec maman Baquet. Qu'est-ce que moi? Nous allons rentrer dans une repentance profonde. Nous devons débouter la destruction au-dedans de nous. Ça doit s'arrêter. Si Jésus vient aujourd'hui, je ne vais pas rentrer au ciel, même s'il y a une partie de la destruction en moi qui s'appelle mensonge, qui s'appelle calomnie. Alléluia. Amen. Qui s'appelle méchanceté, qui s'appelle sorcellerie. Et si je parle à quelqu'un, amen. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes devenus l'âme créée, la personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes devenus des armes pour que le diable utilise pour accomplir ses desseins. Ses desseins qui sont quoi? La destruction. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si le diable veut détruire tes enfants, il ne va pas aller loin. En toi, il regarde, il y a la destruction. Il va t'utiliser toi-même. Aujourd'hui, le diable veut détruire ton mari. Il regarde. En toi, il y a la destruction. Il ne va pas aller loin. Il va t'utiliser toi. Il veut détruire. Aujourd'hui, il veut tuer ta femme. Il ne va pas aller loin. Il regarde au-dedans de toi. Il y a une boule de destruction. Il ne va pas aller loin. Il ne va pas aller chercher les magiciens. Il ne va pas aller chercher les sorciers de la famille. Il va t'utiliser toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend aujourd'hui? Amen, amen. Aujourd'hui, le diable veut détruire la maison de Dieu. Il va utiliser qui? Il ne va pas utiliser quelqu'un de dehors. Il va utiliser qui? Les gens de cette maison pour amener cette maison à s'écrouler. Le diable ne va pas aller loin. Il va seulement regarder. Oh, je vais détruire cette maison. Dans cette maison-là, il y a quelqu'un qui en est. La semence de la... Il va utiliser tes mains. Il va utiliser ta bouche. Il va utiliser ton corps. Il va utiliser tout en toi pour accomplir ses desseins. Je pensais qu'il y a une personne qui allait crier. Aie pitié de moi. En ce moment-là, tu deviens une arme pour tes propres enfants. Une arme de destruction pour tes propres enfants. Tu deviens une arme que le diable utilise contre ta famille. Une arme que le diable utilise pour détruire ton mari. Une arme que le diable utilise pour détruire la maison de Dieu. Une arme que le diable utilise pour détruire ton prochain. Une arme que le diable peut utiliser même pour détruire ta nation.
Et si je parle à quelqu'un, regarde tout ce qui a été détruit. Où est ta responsabilité dans cette chose-là? D'où je vous ai parlé, j'ai vu une maison qu'on avait construite, un homme avait construit une maison, mais j'ai vu en haut, il y avait une femme avec un marteau. Je vous ai dit, quand j'ai commencé le cours, la personne était en train de détruire. Yoke langa mawae kolonanga. Yoke langa mawae nambe langa ye. Yoke langa mawae zamboyo. Yoke langa mawae zamboyo. Nous sommes devenus les armes de destruction pour nos propres enfants, pour la maison de Dieu, pour nos époux. J'étais là, j'ai regardé mes enfants. J'ai regardé mon mari. J'ai regardé la maison de Dieu. J'ai regardé mon prochain. Je me suis dit, Seigneur, je suis cette arme-là qui est en train de détruire tout ce nombre de gens. Elle amène bien. On peut la détruire par divers moyens. Par la parole, une mère qui prononce les paroles de malédiction pour son propre enfant, un homme que le diable utilise pour détruire sa femme, une femme que le diable utilise pour détruire son époux. Cette chose, c'est un pouvoir. Aujourd'hui, tu as vu la vie des enfants, la vie de ton mari, la qualité de ton mariage. Tu as vu la maison de Dieu, le peuple de Dieu, mais le diable t'a utilisé pour détruire toutes ces choses-là. Et amen et bien, c'est un pouvoir qu'il a mis au-dedans de nous. C'est un pouvoir qu'il a enfoui au-dedans de nous. Il peut utiliser même ton cœur. Tu n'as rien dit. Mais quelle haine dans le cœur vis-à-vis de la personne. Si cette personne ne tombe pas, moi je ne vais pas respirer. Si cette personne ne choue pas, tu as une arme entre les mains de l'Éternel, entre les mains du diable, pour accomplir son œuvre de destruction. Il t'a donné un comportement qui amène à la destruction. Un comportement qui amène à la destruction. Un comportement qui t'amène à être, c'est-à-dire à être détruit toi-même. Est-ce que je parle avec, à une personne aujourd'hui? Regarde les gens qui sont morts, physiquement, spirituellement. Regarde les relations que tu as détruites à cause de des choses amères au-dedans de toi qui s'appellent la destruction. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Nous allons regarder nos vies. Vous savez cette phase qui s'appelle l'adolescence, hein? Moi, j'ai passé mon adolescence, je ne connaissais pas le véritable Dieu. Quels dégâts! Quels dégâts! Je suis en train de regarder les dégâts que j'ai commis pendant mon adolescence. Pendant que je disais que j'étais libre. Je ne connaissais pas ce Dieu. Or, j'étais une arme que le diable était en train d'utiliser. On a détruit les foyers d'autrui. Parce qu'on était jeunes, on voit bien que le monsieur là, il est marié, il a sa femme, il a ses enfants. Mais comme tu es jeune, tu te permets tout. Tu as seulement une arme que le diable a utilisée pour détruire le foyer. On a vu comment on a détruit les boutiques ici, surtout en Europe ici. Comment les gens croient qu'ils ont le droit de voler dans les magasins d'autrui, de dissimuler des choses, de mentir, de faire des fausses factures, des fausses identités. C'est la destruction. Il y a des magasins qui sont même tombés parce qu'il y a des gens qui ont trop volé là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pensais qu'il y avait une personne qui devait se mettre à genoux, commencer à crier à l'Éternel, devait mettre ses mains sur la tête, commence à regarder. Aujourd'hui, nous n'allons pas regarder les grands-parents. Aujourd'hui, nous n'allons pas regarder la belle famille. Aujourd'hui, je me regarde moi, depuis que j'ai appris à connaître le bien et le mal. Quelle arme de destruction j'utilise? Quel poids? La destruction. Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, Yokanga Kakamawa, Jésus, aie pitié. Je regarde ma vie, toute ma vie, Seigneur. Une seule
réponse de moi suffit pour détruire une personne, Yaya. Jésus, une seule réponse de moi suffit pour détruire une personne, Yahweh. Pitié, Jésus. Je n'ai la voix qui est l'Éternel. Jésus, je prie à toi car je reconnais, Seigneur. Jésus, que je suis un instrument de destruction. Envoyez la destruction, Seigneur Jésus. Yahweh, pitié. Je me sens devant de toi, Seigneur Jésus. Je me sens devant de toi, Yahweh. Est-ce que c'est un comportement qui détruit? Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Oh, Seigneur, aie pitié. Aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, bien aimé. Élève ta voix. Est-ce que c'est ton cœur que les hommes utilisent? Est-ce que tu as un cœur qui pardonne? Incapable de pardonner ton prochain, c'est la destruction. Élève la voix. Jésus, pitié. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié. Oh, j'ai envie de pitié, Seigneur. Les habitudes de mon âme pour détruire. Les habitudes de mon âme pour détruire. Oh, Yahweh, pitié de moi. Envoyez que la haine. Envoyez la colère. Pitié, Jésus. Il y a le manque de pardon. Je ne sais pas pardonner. Je ne sais pas pardonner. J'ai la colère au bout de moi, j'ai la haine dedans de moi. Et pitié, Seigneur Jésus, et pitié, Seigneur Jésus, et pitié, Seigneur. Il y a toujours la rancune, l'envie de me venger, l'envie de toujours me venger, l'envie de me venger. Hey, ouais. Et pitié, et pitié de moi, Seigneur Jésus, et pitié de moi, Seigneur, et pitié, Jésus, bien-aimé. Et lève la mort qui est le Seigneur. Oh, Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu n'es pas délivré, ça ne sert pas de t'énerver. Parce que si tu n'es pas délivré, tu as la destruction dedans de toi. Tu t'énerves contre Joseph, la destruction en toi va détruire Joseph. Voilà pourquoi tu rêves. Oh maman, on m'a dit que je suis dans la sorcellerie. Quand tu sais que tu n'es pas encore délivré du serpent, tu n'es pas encore délivré de bouc, ne te fâche pas. Parce que quand tu te fâches, les choses qui sont dedans de toi vont attaquer la personne en face de toi. Amen. Je parle à une personne. Amen. Parce que nous avons vu nous-mêmes, on a détruit ce qui est à nous. On a détruit les mariages, on a détruit les enfants, on a détruit nos époux, on a détruit nos épouses à cause de la chose, de la destruction qui est dedans de toi. Tiens-toi bien, regarde ta vie. Nous allons commencer la repentance maintenant. Nous allons commencer la repentance depuis le jour où tu as commencé à connaître le bien et le mal. Quelle destruction on a fait. Quand on est jeune, on se croit à tout. Je vous dis, l'adolescence, c'est une phase très compliquée. On croit qu'on a le droit de faire du mal. Mais Dieu, il est en train de compter ça. Quand on est arrivé à l'âge adulte, hein, c'est-à-dire on a développé une forme de haine. On a fait une tour de haine. Haine amène bien. Aujourd'hui, nous allons faire la repentance. Ne brûle pas les étapes. On a encore le temps. On a 30 minutes. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas délivré, ne te fâche pas. Parce que quand tu vas te fâcher, le serpent en toi va se fâcher. Le crocodile en toi va se fâcher. Le caïman en toi va se fâcher. Va attaquer la personne que tu t'es fâché avec. Le diable nous a utilisés par la parole. Nous-mêmes, on a détruit nos enfants. La parole.
Seulement la parole, Madeko. Surtout nous les mamans, on ne sait pas parler aux enfants. Pas la parole seulement. Monsieur est sorti, il est rentré au retail. Va là-bas, tu vas trouver les sida. Mais s'il trouve, il va aussi, il trouve les sida. Mais s'il trouve les sida, elle amène bien. Il va partager les sida avec qui? Il va partager les sida avec qui? C'est ton mari. La destruction autour de toi et l'auto-destruction. Alléluia. C'est-à-dire, on a commis des actes qui nous a menés à la destruction. Élevons nos voix, commence à crier, ne fais pas cette parole. La prière que tu fais là, regarde les dégâts, regarde les gens sont rentrés sous terre, regarde les mariages ont été dissoutes, regarde tout ce que nous avons fait à cause de la destruction au-dedans de nous. Commence à crier à l'Éternel, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié, Jésus. Je reconnais Seigneur,
aider à bien prier. Alléluia. Amen. C'était il y a, je crois, 2 ans. Après le mariage de ma soeur Emma à Kampala. Alléluia. Et à Célestine et Dorcas étaient partis à Kampala et sont revenus. Alléluia. Mais elles sont revenues. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un accrochage. Amen. Il y avait un accrochage entre elle et moi. Alléluia. Ce sont mes soeurs. Je les aime. Alléluia. Pour moi, ça m'avait attristé dans le cœur. Ça m'avait frustré. Amen. C'était arrêté là. Je n'ai dit, ni, j'ai rien dit. Alléluia. Mais la nuit, elles ont témoigné du nom. Tu es venu nous attaquer. Pourquoi? En moi, il y a la chose de la destruction. Indépendamment de ma volonté, la chose qui est au-dedans de moi est partie de s'attaquer. S'il arrive quelque chose, je veux dire quoi? Alléluia. Mais combien de fois est-ce que tu étais en colère contre une personne? Combien de fois est-ce que on t'a frustré? Tu as de la colère contre une personne? Tu as des choses au-dedans de toi contre la personne? Mais est-ce que toi, est-ce qu'à ce moment-là, tu étais délivré de la sorcellerie? Est-ce que les choses en toi n'ont pas été attaquées à la personne? Alléluia. Alléluia. Amen. Crions le Seigneur. On ne sait pas ce qu'on a fait. On ne sait pas quels sont les actes que nous avons posés. On ne sait pas qui on a détruit. Aujourd'hui, mes mains, les gens ne viennent plus à la salle. Peut-être que c'est toi qui a eu quelque chose contre eux. Aujourd'hui, mes mains, les gens ont perdu la foi. Peut-être que c'est toi qui les a attaqués. Élève la voix. Élève ta voix. Mais crions, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Envoie la semence de la destruction. La semence de la destruction est partie de toute ma famille. Aie pitié. Oh Jésus. Je trouve que vous ne décollez pas. Est-ce que c'est trop fort, ma Bakker? Je trouve que les gens ne décollent pas. Pourtant, il y a des dégâts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des décès dans nos maisons. Il y a des destructions. Il y a des divorces. Et si je parle à quelqu'un, il y a des divorces. Il y a des maladies graves. Il y a les menaces de mort. Parce que en nous, la destruction s'est manifestée. En nous, la destruction s'est parlée, comme le frère Joseph a dit, indépendamment de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, regardez quelle responsabilité. Même dans ta maison, tu es en train de chercher le sorcier. Le sorcier, le sorcier n'est pas loin. Le diable a utilisé tes propres mains pour détruire ta maison, pour détruire ton mari, pour détruire tes enfants. Un amen est bien. À cause d'une petite colère, à cause de quelque chose dont tu as parlé, un amen est bien. Je vous dis, ma mère, quand il avait des problèmes avec nous, un jour, je le suivais. Mon petit frère avait cassé ses assiettes. Il a dit à mon père, mon petit frère, il a cassé les assiettes, il n'avait pas fait exprès, et parti. Allez, lui savait que ça va et aujourd'hui là il y aura du bruit. Ma mère dit, tu as cassé mes assiettes. De la même manière, tu as cassé mes assiettes. Tu vas mourir à cause des assiettes. Alléluia. Et quand je vois mon petit frère aujourd'hui, celui qui vient après moi, c'est un grand chef militaire. Alléluia. Mais à un certain moment, les pieds, ils ne pouvaient pas marcher. Il est resté à la maison des années, peut-être 2 ans comme ça, il ne pouvait pas marcher. Quelqu'un qui était bien, un homme costaud et bien aujourd'hui, mais c'est un chef militaire, mais il tire le pied. C'est venu seulement comme ça. Il a de ces maladies. Des fois, il tombe malade, vous ne pouvez pas imaginer. Un amen est bien. Pourquoi la destruction? Quand on fait sortir quelque chose, une semence, ça va aller détruire. Qu'est-ce que tu as utilisé? Est-ce que les mains, est-ce que la bouche, est-ce que les regards? Le diable ne va plus loin. Il sait qu'en toi, il y a un dépôt de destruction. Il veut détruire une personne. Il ne va pas aller loin. D'abord, toi, tu es là. Tu as son âme. Il te demande de mentir. Alléluia. Quand tu es fâché, tu n'es pas délivré. Quand tu n'es pas délivré, ne te fâche pas. Parce que les choses qui sont au-dedans de toi vont s'élever. La destruction au-dedans de toi va s'élever, va aller attaquer les gens. Et tu es étonné qu'on parle de que tu es sorcier. Mais tu es sorcier. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Joseph vous a donné le témoignage. Les enfants revenaient de Kampala avec Emma, ils arrivent à la maison. Ils lui ont pas fait un câlin. Lui, il voulait un câlin, c'est ses petites. Il aime beaucoup mes enfants, Joseph. Alléluia. Il voulait un câlin. Alléluia. Un amen est bien. Les enfants, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous connaissez les enfants. Ni quoi, laisse pas nous. Un amen est bien. Lui, ça lui a fait
très mal dans le cœur parce qu'ils ont fait comme, je ne sais pas, 15 ou 20 jours à Kampala. Alléluia. Elle amène bien. Lui, ça lui a fait mal, mais il n'a rien dit, ça, c'est Joseph, ça. Il ne dit rien. La nuit, les enfants sont sortis, on se sont, maman, on a revenu, frère Joseph, il est venu nous attaquer. Moi, j'ai dit, Joseph, viens, assois-toi, dis, c'est quoi? Dis, maman, j'avais eu trop mal dans mon cœur. Mais c'est lui, il a eu mal parce que c'est ses petites soeurs. Mais la chose qui est au-dedans de lui a dit, hey, ça, c'est quoi ça? Quand tu n'es pas délivré, maman, ne te fâche pas. Ne parle même pas. Reste pour toi tranquille. Elle amène bien. Amen. Regardons maintenant les dégâts. Il y a des gens qui sont morts dans nos maisons. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des choses qui ne marchent pas dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous passent dans notre entourage. Même nous-mêmes. Nous allons élever nos mains. Soyons seulement justes. Regarde combien d'âmes nous avons détruites. Comment ça dit le Seigneur est pitié. Jésus est pitié, est pitié, est pitié de nous. Pitié, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, pitié de moi. Yahweh, pitié, je t'en supplie. Je suis comme le personnage.
commence à regarder comment le diable nous a utilisés. Moi, je regarde ma vie, toi, tu regardes ta vie. Comment, quand nous étions encore des enfants jusqu'à maintenant, ne brûle pas les étapes. Va étape, que le Saint-Esprit t'aide à regarder ta vie aujourd'hui. Nous sommes dans une repentance profonde. Regarde les étapes de ta vie. Les réponses, une réponse seule. Alléluia. Assaisonner de la destruction peut détruire la vie d'une personne. Toi, tu vois seulement, j'avais donné une réponse, hein. Je l'avais parlé, hein. Moi, avec moi, on ne joue pas, hein. Mais tu l'as parlé, cette chose-là l'a détruit. Cette chose-là a mis ton mari dehors. Cette chose-là a détruit ta maison. Cette chose-là t'a séparé de tes enfants aujourd'hui. Cette chose, un amen, et bien, j'ai dit, un petit mensonge seulement peut détruire deux nations. À cause seulement d'un mensonge, un petit mensonge de l'autre côté. Allez, les armes peuvent sortir et la guerre commence à cause d'un mensonge. On en a vu sur la terre ici. Regarde ta vie bien. Dans la maison de ton père, comment tu as marché? Comment tu as utilisé? Quand tu étais encore une jeune femme, alléluia, voulait détruire un foyer, il t'a utilisé, il m'a utilisé. Et tu dis, hey, moi je suis belle, hein? Le monsieur là, il n'aime que moi, il ne t'aime pas. C'est toi, tu es là-bas pour détruire seulement le foyer d'autrui. Oh non, c'est ma copine, elle me raconte tout. Mais elle ne te raconte pas tout, elle est là pour détruire ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons renoncer à cette chose-là. Cette chose-là, c'est-à-dire, c'est une semence qui enfouit au-dedans de nous. Nous sommes nés avec ça. Tu vas renoncer. Aujourd'hui, là, un amen est bien. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Moi, je mets ma vie à nu. Je parle à mes enfants. Tout ce que j'ai fait, les avortements que j'ai fait, l'adultère que j'ai commis, l'inceste que j'ai fait, tout, je dis ça à mes enfants, un amen est bien, parce que c'est un dépôt de destruction. Je dis à mes enfants pour que mes enfants cherchent la délivrance. Vous savez, toutes ces choses, après, ils deviennent des liens. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Regarde-toi, nous avons les yeux fermés, regarde-toi. Qu'est-ce qui est destruction en toi? Que le Saint-Esprit t'aide maintenant. Nous allons commencer à nous, à renoncer à ces choses. Le frère va nous conduire dans la... Tu vois, cette chose est au-dedans de toi. Ça sort pour aller détruire les foyers d'autrui. Ça sort pour détruire ton mari. Ça sort pour détruire les maisons de Dieu. Ça sort pour détruire tes enfants. Ça sort pour détruire toutes les personnes sur ta route. Par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, moi, madame Moleko, je renonce, hein, à toute forme, hein, de destruction au-dedans de moi, au nom de Jésus. Fais le bien. Tu n'es pas pressé. Fais le bien pour ton bien, pour le bien de ta maison, pour le bien de tes enfants. Renonce à la destruction, au pouvoir de la destruction au-dedans de toi. Fais le bien, en passant les mains. Fais le bien, renonce à au nom de Jésus. Au nom de Jésus, en passant les mains, au pouvoir de la destruction, au nom de Jésus. Chose au-dedans de toi.
La chose est en train de faire les dégâts. Mm. La chose est en train de détruire ton mari, ton mariage, tes enfants, tes biens, ta femme, ton... Alléluia. Amen. Regarde la chose maintenant. Toi, tu vas renoncer à détruire. Uh-huh. Tu vas parler à la chose. Tu vas te séparer de la chose toi-même. C'est en confessant de sa bouche. Alléluia. Amen. Tu vas renoncer à détruire. Je ne veux pas détruire mon foyer. Je ne veux pas détruire mes enfants. Je ne veux pas détruire tout mon entourage. Je ne veux pas me détruire moi-même. Alléluia. Amen. Un amen de Pierre. Amen. Par ma volonté. Par la volonté. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je renonce à être une arme de destruction. Je refuse de détruire. Je refuse de détruire mon mari. Je refuse de détruire mon foyer. Je refuse de détruire mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse de détruire. Puisse détruire cette chose-là en moi. Sois consciente de la chose que tu es en train de faire. C'est quelque chose du diable en nous qui va détruire le prochain, qui nous détruit nous-mêmes. Elle amène bien. Amen. C'est dangereux. Amen. Caïn a détruit son propre frère.
Alléluia. Ça veut dire que tu peux détruire même qui? Ton mari, tes enfants, tout ce qui est à toi. Amen. Tout ce que tu aimes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commence à évoquer le feu dévorant dans cette chose. Fais des deux, mais que ça soit sur la tête, que ça soit dans ton cœur, que ça soit sur ta bouche. Que le feu descende maintenant, au nom de Jésus, le feu dévorant. Au nom de Jésus, je révoque le feu de mon roi, Seigneur, je révoque le feu, au nom de moi, le secours, la chose que le diable utilise pour détruire, Seigneur, je révoque le feu, au nom de Jésus, que ce soit dans ma tête, que ce soit dans mon corps, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans le ventre, au nom de Jésus, je révoque le feu de mon roi, au nom de Jésus, le feu de mon roi, au nom de Jésus, que le feu consume la chose de la destruction. Dieu qui est oui, amen, nous dit ceci. Qu'il est l'homme vaincu à cause du sang de l'agneau. Cette chose, c'est un pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous rassure. Alléluia. Amen. Avec le sang de Jésus, on peut la détruire. Amen. Est-ce que tu crois au pouvoir du sang amen. De Jésus? Amen. Le pouvoir du sang de Jésus est plus puissant que le pouvoir de la destruction. Amen. Amen, Pierre. Amen. Alors commence à attaquer la destruction avec le pouvoir du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Avec le sang de Jésus. Le sang qui est sorti des mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, quel que soit le pouvoir de la destruction, je prends le sang de Jésus, je prends le sang de Jésus, je prends le sang de Jésus pour en venir maintenant le pouvoir de la destruction. J'ai plein de sang de Jésus, sous ce pouvoir-là, de la destruction, qui est dans le bois, j'ai plein de sang de Jésus.
ces choses-là, la finalité, c'est la mort. Tu vas renoncer au pouvoir de la mort. Toi, tu ne vas pas mourir. Personne ne va pas te tuer. Elle amène bien. Amen. Renonce au pouvoir de la mort. Sur toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse le pouvoir de la mort. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Abandonner entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur fasse sa part. C'est-à-dire que ton cœur parle à ce Dieu-là. Cette nuit-là, j'étais en train de partir. J'ai dit au Seigneur, je veux vivre. Dis au Seigneur, je ne veux plus détruire. Et le Seigneur va s'élever. Il va te délivrer de la destruction. Fais cette prière-là avec ton cœur. Je ne veux plus détruire, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus détruire. Seigneur, je veux aussi détruire. Seigneur, je prie à toi, Seigneur. Ce matin, je prie à toi, oh Dieu. Éternel Dieu des armées. Oh, Joseph, je ne veux plus détruire. Oh, Joseph, je ne veux plus détruire. Seigneur, je prie à toi. Seigneur, je prie à toi. Viens mon aide. Viens mon secours. Je ne veux plus détruire, Seigneur Jésus. Je ne veux plus de toi, du diable, pour la destruction, Seigneur, je ne veux plus.
Je sais, oh Seigneur, que tu m'as exaucé. Je bénis ton nom, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois loué, Seigneur.